Et bonjour, bonjour à toi, amie vierge. Moi, c'est Flo et je te présente les énergies de Flo. Et voici ton tirage pour le mois de novembre. Amie vierge, donc vierge du 23 août au 22 septembre. Voici ta carte. Astro Acouphange, la vierge. Et on commence avec les énergies du mois. Avec le petit message de los muertos, de la Santa Muerte, et tu as, pour l'instant, tu es le seul signe à avoir tiré une arcane majeure, tu as le magicien. Le magicien, et le magicien, qu'est-ce qu'il te dit? Le magicien, il te dit, ne perds pas de temps et agis. Tu peux te fier à tes capacités sans hésiter, mais évalue attentivement l'objet de ton choix et la direction vers laquelle tu vas orienter ton potentiel. Potion revient. Alors, les acouphanges. Alors, on te parle d'enfant intérieur, de justice, de déséquilibre, de semer, récolter. Alors, le magicien te dit de ne pas perdre de temps, que tu peux te fier à tes capacités sans hésiter. Ici, on te parle de rester naturel, de ton enfant intérieur. On te parle de justice divine, de d'équilibre et de déséquilibre. On te parle de semer et de récolter. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et vas-y. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, on nous parle de naissance. De naissance, un projet. Alors, naissance, alors on a la naissance et la sexualité. Donc, on pourrait parler de bébé. Il y a l'étranger aussi. Il y a l'étranger. Alors, le magicien, il nous disait d'évaluer attentivement l'objet de ton choix et la direction vers laquelle tu veux orienter ton potentiel. Ne perds pas le temps, agis. Et fie-toi à tes capacités sans hésiter. On va voir avec le love, love, love. Alors là, on a l'attraction. Alors, on a une personne qui ne s'ouvre pas totalement. Il y a l'attraction, elle est là. C'est une personne qui tient à toi, mais qui aurait du mal, qui a du mal à s'ouvrir. À s'ouvrir. Qui a du mal à s'ouvrir, tout simplement. Peut-être que cette personne est blessée. C'est peut-être toi, hein? C'est peut-être toi qui es blessé, qui n'arrive pas à t'ouvrir totalement. On a, alors là, on a naissance, on a sexualité, on a étranger, des projets peut-être qui se font à l'étranger. Ou justement, peut-être que ton autre est étranger, tout simplement. Et du coup, non, il n'y a pas de et du coup. Juste que voilà, peut-être que ton autre est étranger et que justement, vous allez fonder une famille. Alors moi, je ressens de l'amour, mais aussi des blessures qui empêchent justement l'un de vous deux de s'ouvrir à l'autre comme ben, un peu plus en fait. Pour les 77, déjà on a
les projets, la création, on a des projets qui te concernent toi directement pour qui bourgeonnent, qui sont en train de bourgeonner. Ça arrive à toi. Il y a des nouvelles qui viennent lentement à toi. Ça pourrait être des nouvelles de l'étranger qui viennent. Mais alors, voilà, c'est. Elles mettent du temps. Pourtant, il y a le téléphone, mais avec le bateau, ça ralentit les choses. Ça ralentit les choses. Il y a des connaissances, un apprentissage aussi, un apprentissage qui lui est un peu plus rapide. Rapide, on se recentre sur soi. On se recentre sur soi. Projet créatif, oui, projet créatif. Donc un apprentissage créatif. Création. Création, création, création. Il y a peut-être que tu as demandé un changement de poste. Un changement de poste ou une mutation vers l'étranger. Le changement est positif, mais il est pas pour tout de suite. Peut-être au printemps, mais il y a quand même là, ça bourgeonne. Peut-être que c'est ce mois-ci que tu vas demander. C'est peut-être ce mois-ci que tu vas demander justement. Donc là, le magicien tout à l'heure, il te disait ne perds pas de temps et agis. C'est peut-être maintenant qu'il faut agir maintenant pour les changements du printemps qui arrive. On te demande de semer. Ici, on te dit d'agir maintenant, que tu peux te fier à tes capacités sans hésiter. Donc, vas-y, si tu as pour projet de demander une mutation, vas-y, le changement est positif. Et après, ça va se déclencher. Une fois que ça se déclenchera, c'est rapide après. Après, ça va être rapide, hein. Mais trois mois, printemps, oui, de toute façon, dans 3 mois à peu près. Le printemps, moi, je dirais le printemps avec les bourgeons. Mais après, c'est rapide. C'est très rapide après. Tu vas peut-être avoir besoin d'une formation. C'est pour ça que là, on a l'apprentissage. Peut-être que tu es en train déjà de te former. Mais tu devrais, si c'est dans tes projets, de changer de poste, de demander une mutation, etc., etc., de faire un changement dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Parce que ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. Ça va prendre du temps. C'est comme si tu plantais une petite graine aujourd'hui. Et qui cette petite graine, bah, il lui faut plusieurs mois pour s'épanouir. Déjà, il lui faut plusieurs semaines pour germer. Et ensuite, voilà, il faut en prendre soin pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc, il faut y aller maintenant. Et donc, le magicien, c'est ce qu'il te dit. Ne perds pas de temps. Perds pas de temps. Agis. Tu peux te fier à tes capacités. Donc, c'est que déjà, tes capacités, tu les as. Tu as le savoir et la connaissance. Donc,
ne te mets pas d'obstacles. Arrête un peu les machines, arrête de te dire c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, parce que si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est peut-être ça, justement, la naissance, c'est peut-être ce changement. Ce changement qui pourrait se passer à l'étranger. Et c'est peut-être justement à l'étranger que il va y avoir cette rencontre. Cette rencontre, et c'est peut-être ça la difficulté d'ouvrir son cœur. Parce qu'il y a peut-être la barrière de la langue. D'où le déséquilibre qu'il y a ici. La nécessité, et c'est peut-être ça, la nécessité d'apprentissage. Peut-être que c'est une nouvelle langue à apprendre. En tout cas, tu peux, le magicien, j'en reviens au magicien, je te relis ce qu'il te dit, le magicien il te dit ne perds pas de temps et agis. Tu peux te fier à tes capacités sans hésiter. Évalue attentivement l'objet de ton choix. Et la direction vers laquelle tu va orienter ton potentiel, d'où l'apprentissage, peut-être. En tout cas, ça bouge pour toi. Ça bouge pour toi. Et on va finir avec le livre des oracles. Concentre-toi. Hop. Bah, si tu vois. Le tarot, tu as tiré l'as de bâton. Vous êtes obligé de vous en occuper. Sinon, écartez-vous. Du coup, ça rejoint quand même le magicien, ça rejoint un peu tout ça. Donc, c'est où tu t'en occupes? Maintenant, c'est où tu t'en occupes maintenant, ou tu laisses tomber. En gros, c'est ça. Mais le magicien, il te dit quand même d'y aller, hein, de foncer. C'est maintenant, et puis ben, moi aussi, je te conseille de semer plein de petites graines maintenant. Parce que le temps que ça prenne, donc voilà. De très bons changements viennent à toi. Mais en tout cas, ce mois de novembre, c'est le mois où tu dois mettre des choses en place. Donc, voilà. Mets plein de choses en place avec prudence, mais vas-y, fais-toi confiance et fonce. Donc, je te souhaite un très bon mois de novembre. Je ne sais pas si je t'ai dit des petits pouces comme ça ou comme ça, à ton choix. Des petits commentaires sympathiques, de préférence. Un petit retour, ça serait sympa. Tu peux partager avec tes amis vierges. Et tu peux aussi t'abonner. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta, où je fais d'autres petits tirages. Je fais des petits tirages journaliers avec la Santa Muerte, le petit message du jour, et plein d'autres choses sympathiques. Je te donne rendez-vous